Bien le bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Je suis Jake, vous êtes sur le stream Diva Sound Studio. J'attrape la manette correctement. Hop là. Et je vous propose de jouer à Never Alone. Ukisima Inichuna dans la langue inuit. C'est un jeu de plateforme qui se passe au pays des Esquimaux, en gros. Et il y a tout un pan culturel assez intéressant à voir dans ce jeu. Donc c'est parti, on va lancer. Et oui, donc il y a deux boutons jouer. Il y a jouer parce que c'est l'aventure principale. Et jouer à Fox Tales qui est le DLC. Mais on va faire l'aventure principale, nous. Avec une nouvelle partie. Et je connais un petit peu le jeu. Parce que je l'ai fait il y a bien bien longtemps. Après, je pense que je vais me perdre assez souvent. Les Inupiats sont donc un peuple de l'Alaska qui vit depuis des milliers d'années dans l'un des plus formidables environnements sur Terre. Pour en savoir davantage, il y a des notions culturelles qu'on peut déverrouiller en jeu et qu'on peut visionner directement depuis ce menu. Et on en a déjà trois de déverrouillés, je vous propose de regarder la première. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiaq people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there is this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals. And that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental. Value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inupiaq. I'm from the Arctic Ocean. Inupiaq, I am Inupiaq. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are, and we want to continue that. Voilà pour la présentation de ce peuple, très atypique. Il y a deux autres notions culturelles à écouter avant de lancer le jeu. Du coup, je pense qu'on va se les faire. Et juste après, on lancera l'aventure. Be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There's always something to do. There's never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would be just relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then, just organically, someone would just start telling a story. Storytelling for the Inupiaq people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen.
There was a reason behind the stories that we were told, because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends, and they need to be told. They need to be heard. Et dernière avant de commencer l'aventure sur la sculpture d'os de baleine. So scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory, and traditionally it was used to tell stories. Each etching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time. And so it sort of gives you a timeline of history through etching. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Voilà, on va commencer. Il y a donc pas mal de notions culturelles à déverrouiller, hein. On le voit là, il y en a 24 au total. Si on peut les déverrouiller et les voir, on les verra. Si on en rate, eh bien on en ratera. Et je vous inviterai du coup à voir ça directement en jeu si vous le possédez, ou à vous informer, ou informez-vous donc sur cette culture qui est vraiment très très passionnante. Je pense qu'on va lancer l'aventure. Allez, c'est parti. On part en quête du blizzard. En première partie plutôt simple, c'est juste un tuto. On essaye de pas se faire bouffer par l'ours. Faut reconnaître que la patte graphique du jeu est quand même très bien faite, que ce soit ici en jeu ou juste avant avec les dessins assez simplistes de la culture inuit. C'est très très bien fait. Bon, vous
douter de ce qui va arriver, c'est... On peut anticiper facilement ici. Et par derrière, on voit le petit renard polaire qui va finir par nous accompagner au final. Donc je disais, on va pas mal alterner entre la demoiselle et le renard. Donc là je suis sur le renard, là je suis sur la demoiselle. Le temps ne s'améliorait pas et à ce bizarre en succéda un autre. Robert Cleveland. Bien. Je vais me faire couper par le narrateur à chaque fois. Alors, je suis quelqu'un qui fouille pas mal. Du coup, on risque de pas mal fouiller et de se perdre. Mais c'est pas très grave. Ah bah écoutez, on a une première notion culturelle sur le renard arctique. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there and foxes are spoiled little kids in that way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let her. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Il était bien beau. On continue. Ah. Ah, je commence un peu à galérer. D'accord, ok. Faut que je reprenne les commandes en main correctement. Et vu que je suis joueur... Je joue pas mal à diverses consoles, notamment manettes, et c'est jamais les mêmes boutons. Du coup, le A et le B sur ma manette actuelle de Xbox du PC sont inversés par rapport à la manette Nintendo. Du coup, je bug pas mal. Je peux descendre là ou pas? On va dire que oui. Allez. Viens là, renard. Maintenez B pour vous protéger du vent. Ok. Caribous et vêtements. Et oh, doucement. Regardons donc les caribous. Caribou was it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing
caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Résistant. Hop là. Alors, je suis pas du tout fan des vêtements de fourrure directement de l'animal, hein, personnellement. Mais il faut reconnaître que bah, dans certains peuples, ils n'ont pas trop le choix. Kanudun pek paganak tilangit tamat ko ikayok tauruat. Joli quand même. Non, j'ai fait plouf. Ah, le cri. Il m'a violé les oreilles. Oui, oui, on a compris. J'essaie de pas tomber cette fois. Hop là. Allez, une autre notion culturelle sur les âmes. Celia is the weather. It also means the atmosphere. Here's the Nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Celia. It's a very spiritual, and we have a relationship with Celia. Celia has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home. Or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things. It's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Un peuple très spirituel, donc. Alors, est-ce qu'on va avoir encore du vent? Ah, frontez pas, renard, montez sur le mur. Attends. L et A pour sauter au mur. D'accord. Comment je vais? D'accord, ok. Ok, maintenant, je peux sauter comme ça là. Mouais.
Ara kangek sinai cokon ne kanok pisilang. Agelan dabra atau cokon aingaruk. Un peu plus, c'était la noyade. Allez, viens, demoiselle. Eh bien. Ok. Très crédible. Non. Si. Allez, avance. Qu'est-ce qu'elle est lente. Ah. Bah, ça passe. Ah, il y a un hibou quelque part. J'ai vraiment du mal à grimper au mur. Allez. Bien sûr, tout à fait. Regardez la piste des trappeurs. Regardons donc la piste des trappeurs. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat. And then the following day, we continue to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubar. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and his sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt, or with my grandmother. And then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8-to-5 kind of time, you know. We're in a totally different kind. We're in ecological time. Allez, on reprend. Donc là, ici, il y a un esprit. Et il va me dire... D'accord. Allez, viens, fillette. Viens ici. Eh bien. Ah, me dis pas que c'est moi qui vais devoir la faire grimper quand même. Et si. Tu sautes toute seule ou pas? Non, elle a pas envie. Là oui, par contre. Ah là là, les filles. Plouf. J'en étais sûr. Je suis allé un petit peu trop loin. On va y aller doucement. Donc là, je contrôle la fille. Hein. Ok, on reprend le renard. Ça va sauvegarder. J'ai appuyé. Pas d'inquiétude. D'accord. Donc je suppose qu'il va falloir grimper. Ok. Compliqué. Hop là. Tac, reviens là, renard. Ouais, mais du coup, il fait comment, lui? Oh là là.
Ah, ces contrôles. C'est bien. S'il y a bien un défaut dans le jeu, c'est ça. Voilà. Hop là. Et hop là. Mulan s'est rendu compte que les uns sont passés par là. Nunakik iki waktu ako ni kasok. Inyong eh, tukot tak tawa ni kasit. Mais qui est cet étrange homme? On raconte que chaque rafale de vent soufflait de la neige poudreuse dans toutes directions. D'accord. Perengitka tautuk tani. Tautukunak tuak sunapayak sekumin nga nekso. Nibiak siya rolum inyo niya katingi pisaw lang nekso. Kano ko minya? Ano ko lakpas kanyam? Dahil na ko minya itka. Tamang nga ikumawak to mi. Kakarak pa ang inyo ah, niptaktok. Sumalagul la kami, nibayak siya rulo, pichinin ani. Des esprits de plongeon géant. Agulan kakarak pa sa kanyat sa gabi nga ito. Imenyaw rin sa gabi kami, kasamang nga nunamin. Pagkagutin D'accord. Wow. Il y a des trucs ici ou pas? Non. Ok. D'accord, ok, faut que je saute sur le mur, que je saute sur le mur et que je me casse la gueule. YOLO! Hi, Gwen, today. Kalak to inyugunga rock ukpik. Ah, d'accord, faut grimper. Kano ko ma ilisimanek pa nga. Isumulak to ni Beaksya karuwal ko. Kano kito po na kaunig ay nga ikpin. Kailaw di ka piigup ko. Très bien. Il y a un petit, une petite chouette, un petit hibou. Est-ce qu'il y a des notions? Non, pas encore. Ok. Bon, ça viendra plus tard alors. Donc pour l'instant, je n'ai rien raté. Ah ben. Quand on parle du hibou, regardons ça.
Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still a recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat. Because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community. And it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Man, I went at it and look what happens. Eh bien, il était en forme. J'en connais certains qui auraient rigolé, mais non, il faut pas. Oula ! Qui es-tu, petit être malfaisant ? Mais... Attends, j'ai pas compris. Oh, de là ? Ouais, c'est pas cool, ça. La 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 la. Oh. Faire grimper ce renard, c'est une catastrophe. Pouf, pouf. Ok, d'accord. Mais du coup. Ok. Jusque là, ça va. Aïe, à la bobo. Mais j'ai raté un hibou du coup. Maintenez X et machin pour déplacer un objet, d'accord. Oh, qu'est-ce que c'est lent. Mais tu vas te cramer les fesses, mais il est... Vas-y, je te fais le taxi, c'est gratuit. Attends, j'ai pas raté quelque chose par là. Mais... Ah, attends, peut-être récupérer au-dessus le hibou. Là, comme ça. Hop là. Petit hibou. Petit hibou. Renard, monte. Et il est handicapé, ce renard. Oh là là. Attends, tu vas voir. Voilà. Allez, viens, renard. Saute. Oui, c'est bien. Continue. Voilà. Voilà. Donc il y avait une notion culturelle. On va donc regarder ces petites gens. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska, and it's normally that people are, you know, size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman.
They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. Bizarre. Ah oui, faut repousser ça. Allez, c'est parti. Elle est costaud la demoiselle quand même. Je peux pas faire plus ? Ok. Allez, grimpe. Allez. Allez. Voilà. On va rester sur elle. Il y a Rorak, toi, le berger Lolo, le capitaine. Ah si, on est plus d'un sonna, il tout te souvient, mon gars. Ok, ça sent mauvais. Allez, 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 allez. Quoi, c'est tout ? Ah. Moi et mes réflexes. Mais... Ok, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, lance. D'accord, je crois que j'ai compris. Vas-y, lance là, 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 là. Voilà. Encore. Il va falloir faire balancier. Ça suffit ou pas? Encore un? Ah non! Ouf. Ok, ça a l'air bon. Tu vas mourir! Je l'avais prévenu, hein. Putain, faut tous retaper, quoi. YOLO! Encore. Ok. Tu veux en mettre un autre, ou... Ok. Ah non, il veut pas. Ok, le renard, il a fait peur. Et je fais quoi maintenant? Cher Lolo, ça va te remettre à l'ouïe. Et m'ignore. Paquet ka oupi au kriyao dinga. D'accord. Et je fais quoi? Mais enfin, je veux bien, mais. Faut-il récupérer un objet? Ah d'accord, il me dit que le tambour je l'ai déjà dans le dos. Attends, je contrôle qui là, la fillette. Et je suppose que pas je touche ça? Si? Ok. Ok. D'accord. Quelque chose ici? Non. Donc là, il va falloir jouer avec le renard, je suppose. Et non, attends. Le renard, il va falloir qu'il enlève la corde. Ok. Hop là. Vas-y, enlève la corde. Ah! C'est de l'esclavagisme à ce niveau-là. C'est tout ? Allez, grimpe. Et bien, cher Lolo, tu tinga lo qiliao de legajone. Uppi kopea chapaluga lo. Asi tabura pibi tagaliu di pea lagaga. Et bien, cher Lolo. Tain nahone.
I choose to hear a hangarok. Upit qualacto. Uvaw the kaunagiga. Illegin pigit kovlogo. De bolas. Il s'éclate. Okay. Donc ce sont bien des bolas, hein, et non pas les golas. Alors, attends, comment on fait? Par en haut, je peux les charger. Mais comment je les lance en fait? Ok. Ah ben on va peut-être avoir des explications. The bola is what we call kilamitan. And the kilamitan is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know? So bolo was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. Pauvre bête. Alors, bon là on peut grimper directement. Tu montes tout seul, renard. Ok, il veut pas. Allez. Ok, grimpe. Et il n'y arrive pas. Hein. Voilà. Ok. Ah mince. Maintenez R et faites ce pour ça. Échec. Plus bas. C'est pas facile. Voilà. Donc là ça va être au tour du renard de jouer. Bonjour. D'accord, il fait quoi maintenant? Je fais quoi? Ah, j'ai ça. Oh, c'est tout bête en fait. La petite sauvegarde. Le cristal a cassé. C'était un petit peu trop évident. Viens là, toi. Oh! Je n'avais point entendu. Oui, non. Voilà, non, si. Saute. Ah. Reste là, reste là, reste là. J'ai mal géré, je sais, je suis au courant. Quoi aussi, il y a du vent. Voilà. Hop là. C'est bon, bah c'est se débrouiller toute seule quand elle veut. Bon, il faut faire quoi là? Passer en dessous pour aller chercher ça. Attends, faut le ramener, faut faire. D'accord. Ok, et j'en fais quoi? Ok, c'est un esprit.
grimpe. Voilà, c'est bien. Grimpe, grimpe, grimpe. Ok, il y en a un autre là-haut. Trop haut. Raté. Ah oui, donc lui il rate, mais... On se baisse. Ok, on se baisse. Voilà, tu m'accompagnes? Je vais aller là-haut maintenant. Je fais comment? Oh putain, j'ai compris. Je viens de comprendre. Il va souffler dans l'autre sens. Non. Saute! Voilà. Oh, et Renard, tu peux le... Je suis handicapé. Oh là là. Allez. Allez. Go. Voilà. Allez, c'est bon. Non. Clairement. Ah, il lance du feu. Putain, j'ai intérêt à viser du premier coup. Ok. C'est lui qui fait faire ses piques là ? Non ! Ah, ok. Je suis à l'abri, hein. Ah non, je suis pas à l'abri ? Ah, il y avait les bolosses. Pourquoi est-ce qu'il veut ça ? D'accord. Puis tout s'arrêta brièvement et le vent repartit de plus belle. Il était difficile d'apercevoir quoi que ce soit dans ce blizzard. Nouvelle notion culturelle. The scaredest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies, and there was three of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark, dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out.
It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke and the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Heureusement qu'il y a la technologie des fois. Sinon, il s'en serait pas sorti. Et nous, on fait quoi? On dérive. Avec des phoques en fond. Génial. Bon, ça va. C'est qu'une plateforme qui bouge au final. Hop là. Ça, c'est bon. Ok. Ah merde, non, ça se fissure. Bon, ça va, c'est passé nickel. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh là là. Ah, le retour de notre ami. Deux jours après, il nous a retrouvés, quoi. Les esprits de petits poissons. Ok. Et maintenant, j'ai fait quoi? Je sais pas ce qu'il faut faire là. Ah. D'accord. Ok, je suis sur l'esprit du poisson. D'accord. Voilà. Merci les poissons. Merde, l'ours il est là. J'ai fait plouf. L'ours aussi. Hop là, c'est bon. Pissage au mer à l'eau, nanok. Anna Kovic. Pinatitar, vite. Kakame nano, c'est rassurant. Ah, plus de glace épaisse. Je veux de la glace. We're very much aware of the climate change, and it's been for many years, even before climatologists were noticing the change, and it we're already saying. Shila alanokto. Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier,
And sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there's giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season, is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Elle a raison. Elle a raison. Faut faire gaffe. Et malheureusement, on court à notre perte si on continue. Allez. Faites pas sauter maintenant. Je la sens pas cette histoire. Ok, c'est bon. Cours, man. Non, cours pas. C'est passé, mais vraiment à un cheveu. Je le tente pas non plus. Non, reste là. Bon, j'ai fait deux games, c'est pas grave. Par contre, il y a quelque chose là, je crois. Il me semble avoir vu quelque chose. Oui, c'est bien ce qui me semble. Reste là, voilà. Et son manuc. Pas de jeu de mots. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. My brother was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, oh no, it's a mother. We've always known traditionally that we avoid killing a mother. It's always been sacred to us to protect them. He had to present himself to the council, and so he was given the job to mother the baby, and we kept it. It got so big, it went over the barricade one day and got to the dog food, and that was an indication that, oh, brother better go teach it how to survive on its own. So he did. I really got attached to the bear because I more or less grew up with it. And some days when brother took him walking, once in a great while he'd put me on the bear and I would ride on it like a horse. I was just the happiest little girl in the world. Il y a de vraies morales quand même derrière tous ces petits reportages. On passe de quelque chose de mignon à se faire écraser, c'est génial. Non, c'est bon, c'est pas fait écraser. Hop là, c'est passé. Ouais, j'aime bien l'impression qu'il faut aller en haut. Mais le renard a l'air de me dire pas tout de suite. Quoique.
D'accord. Attends. Ok, il a pas l'air de vouloir grimper. Mais je fais quoi en fait? Coucou. Il a bouffé le renard. Il a bouffé le renard. Il a bouffé le renard. Ah. Je sais pas ce qu'il faut faire. Attends, reste au mur, toi. Il va t'attraper sinon. Je suis là. Je suis là. Non. Voilà. Encore. Toi, tu restes au mur. Ah, voilà. J'ai pas un truc à faire. Ah, elle est ici. Pas. Je n'y arrive pas du tout. Ça oui. Alors grimper de l'autre côté. Je suis là. Je suis là, je suis là. Saute. Oui. Saute. Voilà. Et maintenant je fais quoi? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon alors s'il faut faire ça à chaque fois. Ok, et maintenant? Faut pas quand même pas refaire la même chose. Si. Coucou, je suis là. Non! Non. Dis-moi que la glace est pétée. Puis il faut tout refaire. Oh, c'est... Ok, il faut pas tout refaire. Bon, ça va, heureusement. Je suis là. Là. J'ai sauté trop tôt, trop tard. Là. Je suis là. Ah, il m'a pas vu. Je suis là. Ok, c'est bon, il m'a vu. Ah. YOLO. Alors là, je descends. Wow. Là, le renard, il va se faire bouffer. J'ai pas d'autre choix. YOLO. Il a pas compris. Il a compris. Ah! Bon, bah écoute. C'est rassurant. Bien que Kunuksayuka fût un bon chasseur par temps dégagé, la tempête de neige empêchait toute chasse. Bien. Le jeu est quand même très poétique et très imagé de par ses histoires et légendes. J'aime beaucoup. À gauche ou à droite ? Demoiselle.
in, you know, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, you know, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, you know, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, you know, seals and whales. And one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know, I think there's a lot of camaraderie involved. And just being out on the land or being out on the ocean, it's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. C'est beau. Leurs valeurs sont vraiment belles. Bon, j'y avais un hibou ici, sauf qu'on pouvait passer à... On peut passer à gauche, à droite et en haut. Donc... Quoi qu'en haut, je ne... Non, ça me paraît... On va voir ce qui se passe là-bas. Plouf. Pas l'air d'avoir grand... Oh, il va falloir appeler des esprits, c'est ça. Ok, on peut faire rien faire. Donc ouais, ça doit être ça. On va sûrement ramener un esprit ou quelque chose du genre. Allez, viens là, renard. Maintenez A pour nager plus vite. Là, il y a des trucs à casser. Bonjour. Voilà. Mais non, mais... Oh là là. Allez, grimpe, fillette. Je vais aller là-haut. Ok. Échec. Ouh, ça a l'air d'être une grosse bulle. Une bulle d'eau. C'est ça. Je suis quoi maintenant? Ah, il va falloir faire plouf et revenir là-bas. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Mais du coup, est-ce qu'on va là? Ou là-bas? Parce que c'est quand même... Le renard, il a envie de rester là-bas. Parce que c'est quand même étrange qu'ici, il n'y ait rien. Alors qu'il y a quand même une grande place. J'arrive, petit renard. On va monter sur l'esprit. Tu montes tout seul? J'abandonne ma camarade? Très bien, abandonnons la camarade. Ah, d'accord. Et maintenant? Non, parce que t'es gentil, mais... Ok. Oh, il va falloir que je le ramène en bas.
Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts tute. Et mais mon machin, il est où? Je crois que j'ai pas tout compris. Voilà, viens avec moi toi. Mais viens. Mais non. Descends. Ok, maintenant tu remontes. Allez. Bien, ensuite je fais quoi? D'accord. Tout ça pour ça. Reviens là, reviens là, reviens là. Ici là. Oh, ces déplacements contre un mur. YOLO. Voilà. Maintenant je fais quoi? D'accord. Mais va viser quoi. Me dis pas que la demoiselle elle peut s'accrocher à ça. D'accord. Oh là là. Ok, donc toi tu t'accroches là. Tu restes accroché, tu ne bouges pas. Toi tu montes, tu vas là, c'est bien. Monte encore. 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 Il veut pas. Monte. Monte. Oh là là. Là là là. Allez, voilà. Et la demoiselle, elle va se casser la gueule. Peut-être aller au fond là-bas. Coucou. C'est ça. Et maintenant? Eh, renard, doucement. Je te jure, tu sautes, fillette. Ça va mal se passer. Allez. Allez. Oh là là. Je vois plus rien. Je veux la caméra sur le renard, s'il vous plaît. Je vois rien. Ok, j'étais tombé, carrément. Jusqu'à là, c'est bon. Voilà. On dirait un requin. Non! C'est casse-pied, hein. Ok, là c'est bon. Voilà, oh bon, on est tranquille. Il reste encore cette épreuve là. Allez, monte.
Là, on est d'accord. Bien. Et là, tu me dis quoi, petit renard? Non, non, attends-moi. Et un peu plus, il m'a abandonné. Écoutez, j'ai envie de descendre juste un tout petit peu. Pas plus, doucement. Bon, je pense qu'on fera ça après. Il va y avoir encore une histoire d'esprit. D'accord. Donc, il va bien falloir aller là en dessous. Et il va falloir qu'elle aille là. Le truc, c'est que je sais pas trop si on doit laisser le renard ou quoi que ce soit. Ok, il me semble qu'on va faire ça. Renard ici. Et voilà, après Tarzan de la jungle, on a la petite demoiselle Eskimo qui se balade de liane en liane. Des lianes sous forme d'esprit. Ok, et maintenant? Ah, reste là. Putain, mais c'est pas vrai. Redescends. Voilà. Tu restes accroché. Toi, tu montes. Oh là là. Oui, c'est bien. Certains sauts ne sont pas crédibles, quand même. Non, nous, et oh, hein. Bien, et maintenant? Et le renard, il fait... Il vient comment, le renard? Il vole? Il se tépé? Non! Bien, on va quand même regarder le petit reportage. Now we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if you're living that life, you start to sense that everything has a spirit. There's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you know, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as an Inupiaq culture, as an Inupiaq people, is why we're so successful. C'est beau et émouvant, vraiment. Et c'est pas une blague. Le petit renard, il a décidé de couler. Je suis une loutre, je nage comme une loutre. Viens là, renard. Maintenez A pour nager plus vite. Mais je le sais, ça.
Il y a des trucs là. Ou des trucs en haut peut-être. C'est beau. C'est le grand bleu. Il y a un passage là-haut. Renard, il y a un passage là-haut. Le petit bout. Le partage pour survivre. Allez, c'est parti. Partageons et survivons. I think most central to the ideology of the Inupiat is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt, you know, in the old days that's what you needed to survive, you know. The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always gonna be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in, you know, in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, you know, climate, environment. Allez, on retourne lancer les bolas. Ça sera peut-être mieux si je vais. Ah! D'accord. Mais. Ah, ils peuvent pas du tout traverser l'eau en fait. Mais je vais faire comment? Simplement. D'accord. Allez, toi tu restes là. Et toi tu sautes. Hop là. Mais est-ce que tu sautes? Oh. Non, ok, on va rester de ce côté, on va pas faire de bêtises. Ah, attends. Plouf. Chapitre suivant. Niber Sierra Logolo, Terriga Nergalo, Chouvlorak, Arabirom Kingamegon. Chouvlorak, Arabirom Shillamon. Ila Kataktok Shillamon. Tipinerak, Sanganut, Nunaken. Un jour, il se demanda, mais que peut bien causer ce mauvais temps? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah. Une belle nuit étoilée. Ça fait quoi si je... Non. C'est de l'eau mauvaise, ça, là. King Iceland. J'ai bugué? Non, ça a l'air de... La manette a du mal, hein. A big Diomede, little Diomede, and King Island. And in those three islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs,
And then all of a sudden you see these stilts, and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's gonna pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today, and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. Enfin, les pilotis ont l'air bien fragiles quand même. Il fait nuit. Renard qui est en train de bugger. Bien, alors. Ben comme ça, moi, c'est fait. Mais est-ce que je peux tomber? C'est ça le truc. Caméra en bas, s'il te plaît. Bon, on teste. Bon, au moins, on sait qu'il n'y a rien en bas. Je sais pas si j'aurais assez d'élan en fait. Je pense pas. Ah, le renard, oui, il a assez d'élan. Il m'a fait flipper. Ça a l'air d'aller. Je passe. Oui, bien sûr, ça flotte dans les airs, tout à fait. T'es où, petit? Bouge, t'entends. Grimpe à l'échelle. C'est juste parce que j'aime. Je la sens pas trop cette histoire en fait. Oui, je sais, Renard, je sais. Bon, d'accord, je m'occupe du renard en premier. Je fais quoi en fait? Ah, d'accord, ok. Je crois que j'ai compris. Oh! Ça. Non, mais reste là. Ça va demander une dextérité. YOLO. C'est bon. Tu permets? Voilà. Attends, tu grimpes. Oui, petit bout, j'arrive. Oh, on va avoir des aurores boréales.
when I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children and children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said, because then they could play football with your head, play Eskimo football, and that's what they want to do. They're always playing as children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just, that's how it was, that's what it was. C'est pratique pour dire à un gamin de se couvrir l'hiver. Ah! J'ai foncé dedans, mais gratuitement. Oui, non, mais je... Ok, ça passe. Ils laissent leur traîner. Au secours! Pour le moment. Ah, ça va être autour du renard. Oh là là. Grimpe, grimpe, grimpe. Attends. Reste là, fillette, reste là. Oups. Je ne suis pas tombé, ce n'est pas vrai. Ok, là on est bon. Oh là là, va falloir faire ça comme ça. Ne me touche pas, ne me touche pas. Ok. Et maintenant ? Tu veux que je fasse comment là? Le renard il peut pas aller là-haut, c'est trop loin. Il est pas magique le renard non plus. Oui, alors vu comme ça. Ok, attends, 2 secondes. Laisse passer l'esprit. Ouh, pousse-toi, toi. Oh. Il y a quelque chose là, il y a quoi? Ok, c'est là où il faudra ramener la petite fille, je pense. Non, oui, oh. C'est le renard que je veux. Le truc, c'est... J'ai pas compris comment passer de l'autre côté pour le moment. Là, je sais pas. Je crois que j'ai une idée, mais je sais pas si c'est une bonne idée.
Ça a pas l'air d'être une bonne idée. Parce que il faut que je me balance et que je me rattrape quelque part. Mais où? Parce que si je vais à gauche, je me plante. Et je peux pas me balancer sur la corde qui est à gauche, je l'attrape pas là comme ça. Et le renard il... Ah, comme ça, d'accord. Certes. Alors petite fille, on va laisser passer l'esprit et après on saute, du moins on va tenter. YOLO. Ouais, mal fait quand même. Le mois de la nuit. Alors tu permets, je me mets sur une autre plateforme ou sur la corde aussi, pourquoi pas. Et c'est parti. In the month of November, there's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward, and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you could know who yelled from where the sound came from, but specifically for that cloud of their breath went up and it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects looked very close, and white objects looked very far. La fameuse pleine lune. Ok, on va essayer de se mettre dans un endroit mieux. Petite fille, par contre, il faut que j'aille de l'autre côté, du coup... Bon, écoute. Hop là. Hop là. Hop là. Non ! Le seul, il fallait que je le fasse, vraiment, c'est... Oh, sérieux ? Allez, on regrimpe. Tac. Toi, tu restes là, je t'ai pas dit de bouger. Vas-y, maintenant, tu bouges. Ok, on regrimpe. Mais, parce que la plateforme qu'il y a en haut, en fait, là. J'ai pas trop... J'ai pas l'impression qu'elle sert à quelque chose, mais bon, dans le doute. D'accord, bah elle sert vraiment à que dalle, c'est génial. Tout ça pour ça. Pardon l'esprit, je passe. Voilà. Il y a encore du blizzard. Et il est pas seul. What? D'accord. Et à la question pas de pause ce soir que je vois sur le chat. Si si, mais pas de suite. Je finis le chapitre et après on verra. Attends, mais il y a une corde ici, je peux la voir? Je peux. J'ai. Ah attends. C'est peut-être qu'il faut mettre ça. Voilà. L'esprit, on va le laisser passer. Et de justesse. Petit renard, je vais avoir besoin de toi. Il est où l'esprit? Ok. Ah oui, d'accord. On enlève la corde, on rappelle la demoiselle. Vite, vite, grimpe, 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 grimpe. Il va t'attraper.
Et... Hop là. Faut le pousser vers la droite en fait. Ah, le renard gêne, pardon. Non ? Pas vers la droite ? D'accord. Est-ce qu'on peut faire tomber le renard avec ? Oui, alors j'ai demandé si on pouvait faire tomber le renard, pas tuer le renard. On va essayer de faire ça rapidement. Aïe, 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 aïe. Oh, il s'est passé de justesse. En petit renard, tu ne bouges pas. Je peux tomber ? Ouais. C'est pas très crédible encore une fois. Ok. Pouf. Allez, renard, va te mettre à l'abri. Par contre, j'ai pas capté leur cycle. Ok. Donc si je reste au milieu... Oh, c'est flippant. Saute. Il y a... Y'a un truc là-haut ou pas? Non, on va dire que non. Oh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Y'en a deux, quoi. Y'en a deux. Hey, ça c'est pas cool. Me dis pas qu'on recommence. Ok. Jusque là ça va. Ça me fait flipper en fait. Renard, reste là. Et je suis quoi maintenant? Ça a l'air de se calmer.
Oh putain, il y avait du temps en plus. Aïe! Mon renard! Mais je dois faire quoi? Non. Pourquoi dans tous les jeux il y a des renards, faut que le renard meure? C'est déprimant. De la neige, c'est pas trop une bonne idée. D'accord. On peut quand même le contrôler. Mais nous verrons cela dans 10 minutes, vu que ça va être l'heure de la pause. Enfin, c'est même l'heure de la pause, puisque c'est dépassé. Donc, à dans 10 minutes. Voilà. Donc nous avons notre petit renard décédé avec une âme de petit garçon inuit qui possède un fabuleux Kiurumi renard. Hé hey, petit garçon, dis, il y a quelque chose là. Attends, il peut pas y avoir rien, hein. Si y a ça, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. On va continuer de voler, hein. YOLO. Renard, maintenez A pour voler plus vite. Allez, d'accord. Regardez des esprits d'animaux. Oui. We are taught that there's no hierarchy. It's not everything else, and then man, you know, humans on top, and they're separate from everything. We're taught that everything is equal, and that all the animals have a human form, or can be seen in a human form. And so they have just as much or more intelligence. You know, in fact, have a lot to teach people. And so that's how these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its human form. There's a story where a man comes up to an ice hole and then there realizes there's another man in his parka that's got stuck in the net, you know? And he's just stuck like that. Oh, can you let me out?
please help me, you know? And so then he lets the man out, but then realizes that was actually a seal. That was a seal man. And just because that seal wanted that help, that seal allowed itself to be seen in human form. Eh ben. Très bien. Maintenez X pour interagir avec les esprits. D'accord. Mais par contre, avant, j'aimerais savoir ce que j'ai raté. Non, rien. Soit. Bon, les petits renards. Ah. Je veux descendre. Encore, encore. Voilà, ne bouge plus. Ensuite. Faut descendre pour faire quoi? J'ai pas compris. Enfin, si tu me dis de monter, c'est qu'il y a des raisons quand même. Alors. J'ai manqué un élément quelque part, c'est pas possible. C'est d'accord. Oui, mais ensuite. Je suis quand même pas à la faire. Ah, voilà. Viens là, espèce de moise. Ok, d'accord. Tu vas seul. Vas-y. Maintenant. Eh bien. Vol. Putain, viser avec ça, c'est vraiment... Et maintenant, allez Wamozo, vole. Il a pas envie. Non, la petite fille. Ah. Il y a rien en fait. Attends, il y a peut-être un truc en dessous là. Viens là toi. Non. Attention. Maintenant. D'accord, mais j'en fais quoi de ça en fait? Je le vois qui me dit d'aller là, mais... J'aimerais bien. Mais monte, hein. Il y a une notion que j'ai pas, là. Oui, oui, crois, j'entends ça. Oh là là. Ok. Là, d'accord. Et maintenant? Je suis bête. Je suis vraiment bête.
Bien. Donc, il va falloir faire le tour. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un hibou quelque part. Petit renard. Où est le hibou? Ouh, parce que là c'est... D'accord, ok. Oh. C'est un peu nul. Renard, je vais aller là. Non, non. Ok. Je suis pas là. Mais j'ai sauté, putain de merde. Non, mais c'est... Ok. Va pour cette fois. Je contrôle qui là? Le renard. Je suis sûr que j'ai raté le hibou. YOLO! Ok, et maintenant? Mais monte. Encore. D'accord. Eh ben dis donc. Eh vas-y petite fille. Yolo. Voilà. Petit renard, dis-moi est-ce qu'il y a des choses ici. Genre ça à ramener. Je vais ramener ça là. J'espère qu'on va trouver le hibou, ça me ferait chier de le rater quand même. Descends. Ah mais c'est lui qui fallait les récupérer. Ah ouais d'accord. Alors tu permets pas, d'accord, très bien. Oui, je sais, lui, il bouge, j'entends. Je pense que je vais le rater.
Ah non. J'ai raté le hibou, je crois. Quoique. Je... Putain, j'ai bloqué le renard, quoi. Allez, allez, allez. J'ai bloqué le renard. Mais c'est pas vrai. Et je fais comment, moi, maintenant? Je l'ai bloqué. Il y a un truc, retour, repartir au point de contrôle. Donc on va peut-être faire ça. Sauf si... Ah! Peut-être pas repartir au point de contrôle du coup. Bon, le hibou il est où parce que... Il était pas là. Il n'était clairement pas là. Oh non. Chut. Oui. Il y a de ces passages... chercher, ce sera plus simple. Il y en a. Ok. Et maintenant ? D'accord. Je ne sais pas. C'est génial. Ok. C'est passé, mais juste, juste. Regardez Renaissance et Renom. C'est parti. Eh bé. We have our Dimi, the body which returns to Nuna, the earth. And we have Atik, who is our name that has been passed down to us over the generations. The spirit of our Atik lives on so long
as man remembers that name. It would be hard to describe what happens after death. The feeling is that when our Anerner returns to Sila, then that may be reborn if the name is passed on to a new child, who can then retain some of the memories of the original name. And so it's not uncommon for grown-ups or adults to meet a child who has the same name maybe as their grandmother and say, "Hi, Akka," which means grandma, "Hi, Appa," or "Hi, little mom," or "Hi, little dad," because it's the traditional belief that the soul, you know, is continuing on. Humans are renewed and replenished over time, just like our plants. Every year, flowers are born and bloom, and they die. Next year, they are born again. C'est bon, on a eu notre hibou. Par contre, il y a un truc ici que j'aimerais bien pouvoir casser. Mais du coup, est-ce qu'il faut aller ici? Non. Faut vraiment continuer sur la droite. Viens là, petit renard. Pratique. Bon, du coup, je contrôle qui là? Ok, la fille. Oh. Et petit renard, dépêche-toi. J'ai ramené ça ici. Un oiseau, encore et toujours un oiseau. Je suis qui? Le renard. On se couche. C'était quand même de justesse. Et oui, mais là je... Ah, faut le descendre. J'ai dit descends. Descends. Encore. Oh. Va falloir faire un grand saut. Ah d'accord. Voyager, quelle que fût la distance, était dangereux. On ne voyait qu'une masse de neige blanche tourbillonnante. Bien. Où vais-je? Un truc là-haut. Raté. Et on va y arriver, oui. Quand même. Eh hey, renard, dis-moi qu'il y a quelque... Bah oui, forcément. Oh mon dieu. Tu veux faire bouger tout l'arbre? Écoute, pourquoi pas, hein. Mais et maintenant? Parce que là, il y a de l'eau. Mais je dois faire quoi maintenant? Là ça va. Mon dieu, il a bougé. Oui mais... Il va pas. Je contrôle un arbre, bonjour.
Ah mince, faut que je me dépêche. Aussi. Jusque là ça va. Ok. D'accord. Et là, on retrouve notre notre cher arbre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non mais sérieusement, quoi. Ah, elle est pas morte. Enfin, pas encore du moins. Ah, mais il casse tout en fait. Eh, il est vénère. Et, en fait, quand je suis sur la branche d'en bas, j'ai aucun moyen d'agir. Je voulais te crever en fait. Bon, allez, vite, le renard. Cours, cours, cours. Voilà. On va essayer de monter son maximum. Oui, il y a ça là. Ça, tu le descends. Descends-le. Saute pas. Putain, mais c'est pas vrai. Allez, renard. Dépêche-toi. Ça, tu le descends. Encore. Non, mais... Oui. Ok, le jeu a bugué, mais c'était c'est parce que j'ai... Je sais pas ce que j'ai fait en fait. On va essayer de la rapprocher au maximum. Encore. Non, bon. Allez, vas-y. Viens, stop. Je... Ok. Là-haut. J'ai envie de dire oui, il y a un truc là-haut, mais je... Bah tiens, tu m'étonnes qu'il y ait un truc là-haut. Tu peux descendre plus, s'il te plaît. Non. Non, il ne veut pas. Alors comment faire? Ah, attends. C'est justement parce qu'il faut pas forcément aller dessus. Du moins, pas tout de suite. Voilà. Là, ça va être l'inverse. Oh non, encore un putain d'arbre. Au secours. Je le sens pas, cette histoire. Je suis de mon mieux là. Qu'est-ce que tu fais? Reste là. Reste là. Reste là, madame. Reste là. Reste là. Il va mourir. Elle va mourir. Ok, c'est foutu. Adieu. Je ne peux rien faire d'autre. Plouf. Non, je ne veux pas. J'espère que le point de contrôle il est assez proche. Parce que j'ai pas envie de tout me retaper là, clairement. Ok. Allez, go. J'ai dit go. Allez, monte-moi ça là. Vas-y, monte ça. Monte ça. Ah là là.
Oh non, j'ai raté un truc. J'ai raté. Mais non, mais c'est. Pas doué. Alors, on va faire ça comme ça. Pêche-toi, toi. Là, ça, ça, tu le montes. Encore. Ça, tu le baisses. Allez. Voilà. Non, mais non! Monte ça là. Voilà, ça aussi, tu le montes. Non, tu le montes. Tu l'étires encore, voilà. Ça, tu cours. Allez. Ça, tu le baisses. Baisse-le encore. Voilà, ça c'est bon. Non! Putain, mais. Elle a bougé. Ça, on le monte. On le met au maximum comme ça. Toi, tu te dépêches, tu vas chercher la branche qui se trouve ici, là. Là, monte là. Encore. Voilà, au cas où. Tu fais ton mieux, tu la casses si ça te fait kiffer. Tu vas chercher ça là. Tu la baisses. Encore. Voilà. Et là, on va chercher la gamine. Tu ne bouges plus. Bien. On va récupérer ça. Ok. Je la sens pas cette branche. Ok, et maintenant? Non. Ah. Non. Bon, on tente. Ça passe. Point de contrôle, s'il vous plaît. Ok. On va sauter. C'est bon, point de contrôle. Ouf. Du feu. Ah, plus de feu. Oh putain, il est là, lui. Eh ben, on va courir. Mais, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui, alors mec. Ok, on va rester sur le renard. Oui, vas-y, nage. Tu lèves ça, voilà. Je suis pas sûr qu'elle puisse toucher le feu. Ah. Non, touche pas le feu. Passe ou pas? Mauvais signe. Ok. Hey, il est vraiment vénère. Hein. Et là, je fais. Ok, et maintenant?
je viens, mais je fais quoi moi maintenant? J'ai peur. J'ai bien fait d'avoir peur. Je me mets en plein dedans. C'est n'importe quoi. Attends, je pouvais peut-être continuer mon chemin en fait. Ok. Mais ben ça, on a compris. Vas-y, tire là-haut, c'est cool, c'est magique. YOLO! Fous-moi la paix! Non, monte! Ah, faut quand même que je lui tire dessus. Renard, pêche-toi, c'est une renard de merde. Là, tu montes. Non. Ah. Ah. Non. Ah, il est déjà là. Encore, il nous a quand même mis un point de contrôle. Mais je comprends plus là en fait. Ah. Atoholovich l'rat, il est tchatek. Libercharolo le terrigan nervolo, a qui ligak in yoholok. Innoholom tavra inyousia isuhulitcha. Pour le moment. Ça m'étonnerait qu'il soit mort comme ça. Le prédateur. Eh, mine de rien, il nous en reste que deux, hein. The recurring type of character in Inupiaq stories is the manslayer, and the manslayer is kind of this bad guy. And I think really what's at risk when the manslayer comes into story is the livelihood of individuals and the whole community. And so the manslayer is really used as a way to say, don't act only for yourself, always hold the community in your heart. Oftentimes in these stories, there is one person that will stand up. And what this humble person will represent, who faces that manslayer, is a return to order, a return to true living in the community. And it just takes that one person. It could just be that one person that can help to change everything. Because everyone wants to live a good life. Everyone wants to have a good community. C'est beau. Fin du chapitre ? Oui. Il approcha de cet endroit et s'aperçut que, pour une raison qu'il ignorait, le bizarre semblait provenir d'une petite prairie de la toundra. Ok. Donc le bizarre nous dit non, ne va pas à gauche. C'était quoi ce bruit? Et tu veux que je traverse comment?
attends, j'étais contre le mur là. Cache parce qu'il est en route. Poum. Viens là, renard. Allez, 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 allez. Hé, hey, oh! J'ai sauté. Et le truc, il me dit non. On va reculer. Et là, il y a le vengeant qui va nous aider. Go ! Voilà. Pfiou, putain de merde. On s'accroche. On saute. Non, mais non ! Attendre le petit vent en fait. Je vais le rater. Ok. Allez, là c'est bon. Voilà. On s'approche donc de la fin du jeu. Mais il nous reste deux hiboux. Excellente question. On va se permettre de prendre du temps de fouiller parce qu'il manque quand même deux hiboux. Il y en a un qui sera sûrement à la fin. Et il y en a un que j'ai pas forcément envie de rater. On peut passer là ? Je sais pas trop où aller en fait. Est-ce qu'il faut aller en haut? Est-ce qu'il faut continuer à droite? En tous les cas, je ne peux pas monter. Je peux peut-être sortir ça par contre.
monter. Non. Faut descendre. Descends. Voilà. Ouais, enfin, descends, mais pas autant. On va voir. Ça me paraît bizarre. Et le renard, tu viens ? Ah ! Prédire la météo. With regard to the environment, the blizzards have been one of the key elements that have impacted the survival of people, especially in the hard winter. We know a blizzard is coming when the moon is starting to get fuzzy. We also look at the stars. When the stars are twinkling fast, we know a storm is approaching. We look to the clouds in the sky to give us a direction the storm is coming from. We learn these as children by observing weather on a daily basis. Il ne nous en reste qu'un seul. J'espère qu'on ne le rattrape pas non plus. Enfin, je pense pas, ce serait la fin du jeu. Ok, donc dans ce que le camp peut pas aller là. Bon, ben on monte alors. J'ai bien fait d'aller là, sinon je l'aurais raté le niveau. Mais est-ce que le... Mais il est où? Je t'ai pas dit sauter toi. Je vais passer par où là? Faut que j'aille sur le mur en face tout au fond là? Non. Et maintenant? Ah. Et oui. Mais. Ça d'accord, mais... Ah, ils considèrent ça comme des échelles, peut-être. Bingo. D'accord. Jusque-là, ça va... Ça va souffler où? Ok. De contrôle. Là ça va. Bonjour le vent. Mais si je veux aller ici. Tu vas. Oh, c'est calme. Bon, renard, tu me fais un peu d'exploration s'il te plaît. Est-ce que. Donc là il y a. Attends une minute. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, grimpe. D'accord, et je suppose que tu ne peux pas aller. Voilà, c'est ça. Donc là, au prochain coup, tu sautes. Voilà. Attends, gamine, reste là. Toi, tu vas chercher ça.
je peux pas avancer plus. Si, quand même. Allez. On avance. C'est lent. Tu peux pas avancer plus. Oui. Et il y a une paroi là ou il y a pas de paroi? Il y a une paroi. Alors, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Pousse-toi toi. Ok, ça paraît être trop une trop mauvaise idée. Mais non mais. Oh là là. Des fois, le jeu, il comprend absolument pas la coordination des mouvements entre les deux, c'est vraiment une catastrophe. Tu restes accroché, tu ne bouges pas. Je dis pas de bouger. Là, ça va à ce moment-là. Et là, c'est le prochain. Normalement. Voilà. Là, on monte. Au prochain. Ok. On va s'approcher. Jusque là, ça a l'air bon. Et le vent se calme, je ne sais pas. Point de contrôle, cool. Bon, renard, tu viens là. Descends, s'il te plaît, il n'y a rien. À part des pics pour te tuer. Non, il n'y a rien. Bon, on a compris où est-ce qu'il faut aller. Le timer va être tellement court. Maintenant. Ok, c'est bon. Tu es patiente, madame. Ok. Ah merde. Mais on passe quand? Ok. Un peu plus et je vais me bouffer les... Dis-moi par hasard, tu me ferais pas bouffer les pics là? Non, non, reste là, reste là, reste là. Reste là, putain. Par contre, tu veux que je saute comment, là? Je suis morte. Oh là là. Mon petit renard, tu reviens me chercher ça. Et tu veux que je saute? J'ai tellement peur qu'elle glisse. Ok. Alors attends, on va observer le mouvement de ça là. Ça a l'air d'aller. Là, tu nous as pas vu. Ok, jusque là c'est bon. Point de contrôle.
Il nous a vus, il nous a regardés. Oui, alors par contre, tu m'excuses, mais j'ai un hibou à chercher. Non. Sans commentaire. On s'accroche. Maintenant. Non, reste là, reste là. Hop là. D'ailleurs, je ne peux faire que ça. Mais je veux grimper plus, je fais comment? Oh mon dieu, comme ça. Et après? Non mais là, il va me tuer là. Ah, je suis pas resté là? Non, je ne peux absolument pas rester là. Ok. Là, c'est bon. Sauf que... J'ai peur. Vite, vite, descends ça, descends ça, descends ça. Descends ça. Accroche-toi. Monte, 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 monte. Oh putain. Ok. Là, il va planter. Vas-y, non. Ok. Dépêche-toi. Mais c'est pas vrai. Ah, elle est pas morte. Ok. Là, il y a... Ok, on va attendre le prochain souffle. Pourquoi il s'est arrêté? Maintenant, Renard, aide-moi. Je fais quoi maintenant? Je vais pas sauter dessus comme ça. Si? Non. Je crois qu'il me manque des informations. Parce que là, lui il ne bouge plus. Mais pareil. Oh mais je suis bête. Non. Okay. J'ai glissé, chef. Pas ça non plus. Ah. C'est tout? Flocon. Appuyez sur A. Inyuk pasum malikatalora angulait ka o kilablo ni. Tandis qu'en pelletant la neige, le grand homme créait blizzard après blizzard, Kunusag Yuka s'emparait de l'herminette, ah ben au moins on a compris que c'était le nom de la fillette, et s'enfuit avec elle. Le grand homme l'aperçut cependant bientôt. Ah! Bonjour. Ok, on s'en va. Conseille de pas rater le hibou si hibou il y a.
se calme. Oh merde, j'ai raté. Je l'ai raté. Descends, ou monte, je sais pas, j'en sais rien, fais quelque chose. Bon, elle veut pas. Si le hibou était là, je l'ai pas entendu. Oh merde! Mon dieu! Voilà. Appareil. Montez, j'ai dit. Monte-le! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Vous baissez ? Et quoi ? Allez. Donc celui-là, on le laisse. Voilà, il est joli, il est beau. Et celui-là, faut aller le baisser. Baisse-le. Ok. Et là, faut le remonter. Non, mais... Où suis-je? Ah, au même endroit. Pêche-toi, jeune homme. Donc là, du coup... Ok. Attention. Voilà. Il se débarrassa de sa pelle, grimpa de la toundra et poursuivit la fillette, mais elle était trop rapide. Enfin, pour l'instant, il nous... Oh, va falloir tous retaper. Souffle le vent. Échec, critique. Il nous va nous rattraper. Maintenant. Oh. Donc ça on laisse. Là on grimpe. Non, c'est ici qu'on grimpe. Et il y a lui là. De merde. Ok. Souffle. Ouais, non, les esprits, le vent qui va pas et le truc qui nous derrière, ça commence à faire trop en fait. Yes. Renard, dépêche-toi, il va nous bouffer quoi.
l'assaut était pas terrible. Et là, il y a un esprit en bas. Fallait le voir. Ok, renard. Dépêche-toi. Ramène-le. Ok, on peut y aller direct. Allez. Il s'était enfui, l'herminette à la main. Le grand homme le poursuivit, mais ne le rattrapait pas. Attends, mais pourquoi il ? Pas compris. Non ! Je veux aller là. Non, il va. Ok, non, c'est mort. Oh, et là ? Les petits poissons ! Ah, c'est lui qui le contrôle. Le vent. Ok. Et maintenant? Oh putain, les poissons encore, sérieux. Ouais, non. Il va faire crack. Tu fais crack? Apparemment. Oh non. De plus. Putain, il y a l'ours quoi. Et je vais dans la gueule de l'ours comme ça là? Bonjour. Ok. Non. C'est n'importe quoi. Oui. Ok. Ça veut rien dire. Regardez. Le grand homme vit son herminette disparaître par le puits de lumière et cela le rendit si heureux qu'il se mit soudain à éclater de rire. Chacun son trip. Allez, la dernière notion culturelle. With the story of Kunuk Sayuka told by Robert Cleveland, it's just a masterwork.
It's a well-known story among the Inupiaq people. And in our case, of producing a video game that really reflects indigenous heritage, it captures the imagination. And it's something that you have a very specific kind of task to do. There's a blizzard, you know, and it is just a non-stop blizzard that is overpowering the people. And there's one man that wants to figure it out. And in our case of the story, it's a girl that wants to find the source of that blizzard. The Blizzard Man, it's like that, is the physical embodiment of an element of nature. And so there's a person that needs to go up and take away that's chipping away that snow. In that community, the person least expected is the one who stands up and makes the difference. Humility is something that we value. And where that comes from is the idea that you are not the biggest thing in the world. And when you live in an extreme environment, like where the Inuit reside, you are at the whim of the environment, of the climate, of the animals. You can be as prepared as you can, you know, by learning from your elders, but you know, you're not the biggest force in the world. Alors pour ceux qui suivent, vous l'avez compris, le monsieur à la queue de cheval dans les notions culturelles, c'est le créateur de un des créateurs du jeu vidéo, donc Never Alone. Et ils ont fait ce jeu, bon certes de plateforme aventure, dans l'idée de partager, diffuser leur culture et de faire connaître ça, parce que bon bah si le réchauffement climatique continue de s'accélérer, ben ce peuple va disparaître et leur valeur aussi. Voilà, donc on retourne à la fin du jeu, car nous sommes vraiment à la fin. Voilà. C'est la fin du jeu. Donc très culturel, vous l'aurez compris, très beau, très inspiré, très poétique. La patte graphique, encore une fois, est excellente. La musique est très très inspirante, très. Enfin, elle reflète bien l'ambiance. Et ouais, ils ont vraiment bien bossé. Après, oui, bon, au niveau des mouvements, c'est... J'irais pas affreux parce qu'il faut vraiment s'y habituer, mais c'est pas ça. Après, bon, ils ont pas fait le jeu pour que ce soit le jeu de l'année, hein, sachant qu'il est sorti il y a un moment maintenant. C'est vraiment pour leur culture. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans plein de jeux. Donc pour ceux qui suivent Evaston Studio depuis un moment, vous avez vu que j'ai déjà fait du Type Rider, un jeu très très culturel. Qui est quasi que ça, parce que finalement le gameplay est quasi inexistant, c'est juste une déplace, tu vas chercher les points culturels. Et ici on a déjà plus de gameplay, plus de pattes graphiques aussi. Et beaucoup beaucoup de culture. Donc si vous avez d'autres jeux dans le style, alors là je suis preneur. Et très très curieux de ce que vous pouvez proposer, donc n'hésitez pas à nous contacter, Twitter, Facebook. Ou autre, vous savez où nous trouver. Voilà, voilà. C'est dommage qu'ils aient mis les crédits tout à gauche. Ils auraient pu les mettre au centre parce que du coup l'écran de droite est vide. C'est vraiment dommage. Bah, je vous laisse avec les crédits.
Je vous mettrai dans l'article du replay la chronique indécaféinée que Yakipon a fait sur la chronique radio, sur la présentation du jeu. Ça vous apportera aussi un peu plus de détails, d'éclairage. Ouais, il est bien sympa comme jeu quand même. Il reste du coup le DLC Fox Tales. Mais je pense pas vous le présenter. Ou alors en dehors de stream, parce que je pense pas qu'il dure 3 heures le DLC. On verra. En tous les cas, continuez à nous suivre. Hein, je l'ai dit, Facebook, Twitter, le site. On a notre TeamSpeak si vous venez discuter ou jouer avec vos potes. Le groupe Steam. Suivez-nous sur le Twitch aussi. Comme ça, moi, vous serez notifié quand on stream. Et surtout sur le site, parce qu'il n'y a pas que du jeu vidéo, on fait d'autres trucs, hein. Il y a les chroniques radio. Donc pour rester sur le thème un peu environnement, il y a une chronique de conseils écologiques et de prise de conscience écologique. Puis on a d'autres chroniques de l'innovation aussi. On met en avant pas mal de projets innovants. On présente de la bande dessinée, bon, du jeu indé, je l'ai dit. Des jeux rétro aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une chronique de conseil informatique. Conseil informatique. Et tous les lundis, vous avez l'émission d'actualité de jeux vidéo. Donc, vous pouvez retrouver ça sur la web radio à l'antenne. Mais si jamais vous ne pouvez pas écouter, vous ne voulez pas, vous avez les podcasts sur le site. Ah, ils utilisent une police open source, open font license, c'est une licence libre de police d'écriture. Ah, c'est bon à savoir ça. Je ne connaissais pas ce site. Ils ont eu beaucoup de players, de tester players. C'est dommage qu'ils aient pas remonté les soucis de déplacement. Et beaucoup de remerciements. Rookie. Je ne sais pas qui est Rookie. Et nous retournons au menu principal, Never Alone, Kishima et Nichuna. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça a permis d'éveiller votre curiosité pour le peuple Inupiaq, donc les Inuits d'Alaska. Leur légende, leur mythe, et leurs valeurs surtout, vraiment ils ont de très très jolies valeurs. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à nous suivre, je vous l'ai dit. Et je vous fais des bisous. À ciao.